Un jour avant l'enlèvement de l'église. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5:4. C'est une erreur mortelle de croire que les véritables chrétiens seront surpris par l'enlèvement de l'église, cher auditeur. C'est d'ailleurs un des arguments des vierges folles qui considèrent que l'Église sera enlevée par surprise et qu'il ne faut donc pas chercher un signe, une date ou un événement précis. Or, cette pensée est un mensonge du diable. Que comprenez-vous dans le mot « surprise », cher auditeur? Quelle qu'elle soit, la surprise, bonne ou mauvaise, est une chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Elle ne donne pas de signal avant son arrivée. Or, le verset que nous venons de lire nous montre sans détour que les véritables chrétiens, l'Église de Christ, ne sera pas surprise le jour de sa rencontre avec l'Époux dans les airs. Nous ne courons pas derrière une date précise, car le jour et l'heure précis de ce moment sont sous scellés. Mais nous ne condamnons pas non plus quiconque se met en quête d'une date, car plusieurs se sont réveillés grâce aux dates que certaines sentinelles ont données par l'accord de Dieu. Et même si le ravissement n'a pas eu lieu à ces dates, cela a contribué jusqu'à présent à la mise à l'épreuve et à la séparation des vierges folles et des vierges sages, pour mettre en évidence les incrédules d'avec les persévérants. Pourquoi certaines sentinelles sont-elles criblées par les infidèles parce qu'ils donnent des dates? Parce qu'une date donnée par une sentinelle est spirituelle. Elle n'est pas forcément la date à laquelle le Seigneur doit venir. Mais il s'agit de la mise à l'épreuve. Il s'agit de la mise à l'épreuve de ceux qui croient être des chrétiens, mais qui sont en réalité endormis par le sommeil de la mort. Les dates sont-elles importantes? Oui, elles sont importantes et même primordiales. Elles contribuent aussi à la préparation des vierges. Car qui ne veut pas savoir le jour et l'heure du retour du Seigneur? Il n'y a pas de mal à chercher une date. Il n'y a pas de mal. Le Seigneur ne l'a pas interdit. Alors malheur à quiconque, dans sa folie, s'élève contre une sentinelle qui a osé donner une date. Et que l'Éternel bénisse toutes les sentinelles de la terre qui œuvrent jour et nuit à préparer son Église. Et malheur à tous les rebelles qui osent ouvrir leur bouche par manque de crainte aux sentinelles du Seigneur. Cette parenthèse est fermée. Poursuivons notre vidéo. Comme il est écrit en 1 Pierre 4:17, le jugement doit commencer par la maison de Dieu avant d'atteindre les infidèles. Et nous croyons que ce jugement va se produire la veille du jour J, afin que se fasse le tri et que le sort du monde soit scellé. Pour l'humanité, pour les infidèles, la veille de l'enlèvement de l'Église sera un jour ordinaire, puisqu'ils sont dans l'obscurité et dans les ténèbres spirituelles. Mais pour les chrétiens, ce ne sera certainement pas un jour comme les autres, car la parabole prophétique des 10 vierges doit pleinement se réaliser. En effet, qui, la veille d'un voyage important, n'a pas ressenti une profonde excitation? Et lequel d'entre nous n'a pas ressenti une impatience sainte la veille de son mariage? Il est écrit que juste avant que l'époux n'arrive, en Matthieu 25, les vierges folles seront dans le désespoir à cause de leur manque d'huile.
c'est-à-dire de leur manque de vigilance, fruit de leur incrédulité, alors que les sages, elles, seront pleines de confiance, fruit de leurs années de patience et de persévérance. D'après la prophétie de Matthieu 25, les vierges folles en manque d'huile viendront en demander aux sages. Que cela signifie-t-il, cher auditeur? Cela signifie que les vierges folles verront l'actualité prophétique s'accélérer et se bousculer de façon anormale. Alors, ces chrétiens voudront savoir si c'est le signe du Seigneur. Mais le temps des explications aura cessé. Ainsi, pour ces croyants fous, en termes bibliques, ce sera le temps des inquiétudes et des recherches pour essayer de comprendre la chronologie des événements annonçant le retour du Seigneur. Mais ce sera trop tard. Les vierges sages n'auront plus le temps d'avertir le monde. Et lorsque les folles iront chercher sur Internet et dans leurs assemblées en quête d'explications, lorsque ces gens voudront jeûner et prier, la porte sera déjà fermée. Ne jouez pas avec votre éternité, cher auditeur, car le temps vient où le Seigneur dira ouvertement à certains: je ne vous ai jamais connu. Nous nous étonnons aujourd'hui encore de voir, cher auditeur, la confusion qui règne à propos du sort de l'Église. Nous ne parlons pas ici de ceux qui considèrent que l'Église doit aussi passer par les tribulations au même titre que les infidèles. Eux, c'est-à-dire les mi-tribulationnistes et les post-tribulationnistes, ont l'intelligence totalement obscurcie. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons maintenant. C'est à vous qui croyez à la bienheureuse espérance écrite dans Tite 2:13. Que cette vidéo est adressée en vue de vous encourager à persévérer, à continuer avec joie et à attendre l'imminent retour de notre Seigneur. Depuis l'alerte de nos frères en septembre 2015 en vue de la préparation des vierges, quel est votre état d'esprit? Avez-vous laissé votre lampe manquer d'huile et s'éteindre à cause de votre incrédulité qui vous a conduit au découragement? Ou votre état d'esprit est celui d'une vierge sage qui, par sa persévérance, fait des réserves d'huile pour être prête, car plusieurs se sont déjà découragés, chers auditeurs. Certains n'y croient tout simplement plus, malgré les signes prophétiques qui nous entourent. Dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant, chers auditeurs? À bientôt pour notre prochaine vidéo.